Ah, vous m'avez amené tous les documents manquants. On va pouvoir clôturer votre candidature. Par contre, il me manque, c'est le formulaire CERFOD 203-4B. Pas de souci, ça va être l'occasion pour moi de tester notre nouveau matériel informatique haut de gamme. Je vais pouvoir l'imprimer directement depuis le bureau. Vous allez voir. Alors, Karl-Josef, j'aurais besoin de votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Merci. Et maintenant, il me faudrait votre numéro de sécurité sociale. Non, c'est celui-là. C'est parfait. J'ai tout ce qu'il me faut pour finaliser votre inscription. Rogette ? Oui ? Tu as de la place pour finaliser une inscription ? Oui, vous le voulez où ? Monsieur Yac, je vous cherchais. Mais vous êtes pas en stage, monsieur Cour ? Non, ça va pas du tout, va falloir me changer d'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a là, cette entreprise ? C'est le responsable. Il est gay. Et ça vous pose un problème ? Je veux pas attraper le sida. Vous couchez avec votre responsable. Ça va pas, c'est emballé un mars aussi. Mais le matin, il me serre la main pour me dire bonjour. D'accord. Bon, c'est ce qu'on va faire. On va aller voir notre infirmière. Hein, je pense qu'elle a 2-3 trucs à vous expliquer. Vous pensez que j'ai chopé un truc ? Peut-être pas dans le sens où vous l'entendez. Candidature acceptée. Oh, bon. Ben, on peut rajouter 2 heures mardi matin chez Brocéliande. Ce qui vous fait 12 heures pour la semaine prochaine, dans 5 entreprises, il vous faudrait encore 3 heures. Ah ben, attendez, j'ai peut-être un truc là. Candidature acceptée. Oh. Félicitations, vous avez obtenu votre premier contrat long. J'ai eu un contrat d'une journée complète. Félicitations, vous n'aurez pas besoin de votre allocation la semaine prochaine. Vous êtes en pause. Bonjour. J'aurais dû m'en douter. Bonjour. Bien évidemment. Bonjour. Forcément. Bonjour. Ah, mais c'était sûr. Bonjour. Oui. C'est quoi les énergumènes que vous m'envoyez là ? Il y a un mois, vous m'envoyez une bonne femme. J'ai pas demandé une secrétaire. C'est d'un chauffeur poids lourd dont j'ai besoin. Hein ? Il y a 2 semaines, vous m'envoyez Mamadou. Alors, j'ai fait un effort, je l'ai pris à l'essai. Il arrivait tout le temps en retard, sous prétexte que monsieur se faisait contrôler 5 fois par jour par la police. Hein ? Oh, hier, vous m'envoyez quoi hier ? Alors, c'est vrai qu'au premier regard, c'est un gars bien de chez nous, bien costaud, donc je l'ai fait commencer ce matin. Je vous en mets un. Et là, à 8 heures, hein, avant de commencer son service, je le trouve à la machine à café en train de draguer les collègues. Et... c'était pas les secrétaires qui draguaient, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je veux juste quelqu'un de normal. Point. C'est trop demandé. Donc, si je résume, vous voulez un homme hétéro, blanc, c'est ça ? Et costaud ? Exactement. C'est pas compliqué. Vous voulez qu'il soit blond aux yeux bleus aussi ? Vivement le futur. Ce genre de comportement n'existe plus. Alors, vous avez l'air stressé. Il y a quelque chose qui vous préoccupe ? Disons que je suis dans une situation un peu particulière et j'ai peur que ce soit un frein pour moi. C'est-à-dire ? Je suis une femme étrangère, membre de la communauté LGBT et en situation de handicap. Et donc ? Ce sera pas un problème. Mais non, vous inquiétez pas, c'est fini tout ça aujourd'hui. Super. Par contre, je vois que vous n'avez pas de modification corporelle apparente. Et le côté naturel, aujourd'hui, c'est plus très bien vu. Est-ce que vous seriez prête à faire quelque chose pour arranger ça ? Ouais. J'ai souvent pensé à me faire tatouer. Roger ! T'es dispo, là ? Bon alors, pour votre stage de lundi, vous avez trouvé un moyen de transport ? J'avais pensé utiliser la 103 de mon frère, mais il en a besoin pour son travail. D'accord, mais rappelez-moi, vous êtes bien titulaire du permis de chevaux ? Oui, je crois que c'est inclus dans mon permis.
Alors, pour les jeunes qui ont des problèmes de mobilité, nous avons le dispositif de chevaux qui devrait vous permettre de financer vos déplacements professionnels. Ah, c'est chiant, Max. Merci, c'est super sympa. Eh ben, je vous laisse lire et signer ce document. Par contre, pour l'équipement, il y a une caution de 100 francs. Les frais d'entretien sont à votre charge et nous vous rappelons qu'il est interdit de laisser des déjections sur la voie publique. Et vous avez vu, la première semaine, il s'appelle Albator. Ça devrait vous plaire, ça. Bonjour, je cherche une formation. Oui, alors on va vous télécharger toutes les informations de base sur le métier que vous souhaitez via votre implant. Ça coûte environ 9 999,99 €. Ouais, ça je connais. Ouais, sinon après, on a aussi une formation dans une école publique. Ça a moins de 250 km d'ici. C'est gratuit, mais ça dure 3 ans. Et du coup, vous aidez les jeunes à faire des emprunts ? Oui, bien sûr. On a une formation pour apprendre à faire un emprunt à 9,90 €. Ah, et maintenant, le Verseau. Ça tourne. Ça pose. Ouais. Séquence 7, prise. Non, ça tournait pas, désolé. Non, mais c'est là. Vous m'avez amené tous les documents en même temps. Oui, les documents en même temps. 4 mots. Éventuellement refroidir certains. J'oublie mon texte. Bon, on la refasse. Ça s'en va, mais en mars. Il peut le garder, là.